Salut tout le monde, c'est Monsieur Quinton. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un peu surprise, le tuto gardien manuel. Et oui, j'avais sorti un tuto gardien il y a quelques semaines, mais je maîtrisais pas bien mon gardien manuel, j'étais passé rapidement dessus. Depuis, je maîtrise bien mon gardien manuel et je vais vous expliquer dans ce tuto quelques petites astuces qui vont vous aider, surtout dans les duels en 1 contre 1 ou dans certaines situations dans la surface de réparation. En tout cas, c'est des astuces qui m'ont sauvé la mise de nombreuses fois. Donc dans ce tuto, on va surtout voir les duels en 1 contre 1, c'est là où vous allez faire des différences avec votre gardien manuel et remporter des duels. Ici, vous voyez que je prends possession de mon gardien manuel que quand le défenseur est trop loin pour intervenir. Donc ça, c'est important, vous ne prenez possession de votre gardien quand le défenseur est trop loin. Ici, vous voyez que l'attaquant est droitier et donc du coup, comme 90% des joueurs en ligne, il va tirer premier poteau. Et hop là, je fais le petit pas et du coup, je me retrouve dans la trajectoire du ballon, parfaitement placé pour pouvoir sortir un arrêt. Tous les joueurs vont tirer ici, presque tous. En tout cas, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de faire des tout petits déplacements pour pas que le joueur vous grille, pour pas que le joueur se dise « Ah, attention, il a maîtrisé son gardien manuel ». Vous voyez qu'ici, si j'ai pas fait le petit pas, il y a but. Encore ici, avec Vargas, la même situation, je me dis « Il va tirer au premier poteau », donc du coup, je contrôle mon gardien, je fais le petit pas et je me retrouve sur la trajectoire. Vous appuyez ni sur croix, ni sur rond, ni sur carré, et le gardien va faire l'arrêt tout seul comme un grand. Iniesta ici, il va se retrouver sur son pied droit, je me dis il va tirer au deuxième poteau sur la droite, donc du coup regardez bien le gardien, hop là, il a fait le petit pas sur le côté, si je fais pas ce pas, il y a but. Donc je disais tout à l'heure de faire des petits déplacements, c'est très important, regardez ici, le gardien il est contrôlé, il fait n'importe quoi, il plonge avant la frappe, du coup il y a but. Ici pareil, le gardien se bouge beaucoup trop et du coup il laisse le but vide et l'attaquant peut marquer tranquillement. Donc il faut vraiment pas bouger beaucoup et surtout pas plonger, donc pas appuyer sur croix ni carré, c'est pas la peine, le gardien va faire l'arrêt automatiquement si le ballon lui vient dessus ou près de lui. Ici regardez, je me dis que l'attaquant va tirer au deuxième poteau, donc hop, je fais le petit pas nécessaire pour pouvoir faire cet arrêt et pour faire l'arrêt j'ai pas besoin d'appuyer sur aucune touche, donc c'est pas la peine. Regardez encore ici ce duel avec Hazard, où là c'est pareil, je me mets au deuxième poteau. Si j'avais pas fait ça, Hazard il aurait marqué au deuxième poteau, c'est clair. Donc ce qu'il faut retenir de ce tuto dans les duels, c'est que vous devez l'utiliser que en cas d'urgence, juste un ou deux pas, et n'utilisez pas croix et rond. Et enfin, une dernière petite technique qui marche bien sur les coups francs adverses, je mets mon gardien derrière le mur ou même au premier poteau, je laisse le but grand ouvert, le tireur se dit c'est bon, j'ai juste à frapper fort côté ouvert et il y a but, sauf qu'au dernier moment, quand l'animation du tireur commence, je mets mon gardien côté ouvert et donc il peut pas y avoir but parce qu'il y a le gardien. Là il tire au-dessus, mais si elle était cadrée, il y avait le gardien qui l'arrêtait. Voilà, j'espère que mes petites astuces vous auront aidé et je vous dis à bientôt, ciao.